La vie rêvée des anges est l'un des événements cinématographiques de la rentrée. Le premier long métrage d'Éric Zonka a reçu un accueil enthousiaste au Festival de Cannes. Deux jeunes actrices avaient reçu le prix d'interprétation féminine. Élodie Boucher, déjà connue, et Natacha Régnier, une révélation. Richard Tripot. C'était le 24 mai dernier à Cannes. Élodie Boucher et Natacha Régnier recevaient le prix d'interprétation féminine. La consécration pour deux jeunes comédiennes et un premier film. L'histoire de deux jeunes filles marginales, révoltées, condamnées au petit boulot et dont les destins se croisent dans les rues de Lille. J'ai un message à vous transmettre de la part de ma copine, Marie. Et c'est qu'elle vous suit depuis plusieurs mois déjà. Et elle est très timide, elle n'ose pas vous parler, mais elle connaît tout de vous. Elle sait que vous êtes quelqu'un de très très bien, que vous avez beaucoup d'argent. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller évidemment au cœur des personnages, au plus profond des personnages, et de leurs contradictions, de leur complexité. Et de ne pas rester à une description du réel, à une description du social, comme ça. Toi, je t'invite, si tu veux. Putain, t'as du fric à claquer, toi, hein? Attends, c'est toutes les deux ou c'est aucune? Je laisse pas ma copine toute seule. Ah, tant pis. Si tu changes d'avis, t'as qu'à passer au Blue. Ou à la grande brasserie, place Carnot. Hé, hey, oh, les portes, ça se ferme. On t'a pas appris, ça? Ça compte Gourge. Avec Élodie, je lui donnais beaucoup de liberté. Elle a un personnage qui est libre. Donc on lui donnait beaucoup de liberté. On s'amusait avec elle. Elle a un personnage qui est un peu... Enfin, moi, je la mime toujours un peu comme ça parce qu'elle est un peu... Il y a de la fantaisie. Il y a un côté un peu... Pas clownesque, mais un petit côté burlesque. Et Natacha, par contre, son personnage, c'est un personnage qui est plus violent, plus à fleur de peau, plus... La vie rêvée des anges aura certes confirmé le talent d'Élodie Boucher, mais elle aura surtout révélé celui de Natacha Régnier, une jeune comédienne d'origine belge. Car le film fut aussi la rencontre de ces deux tempéraments. C'est l'histoire de deux filles, l'autre c'est Élodie Boucher, et on partageait toutes les deux un appartement, comme dans l'histoire du film, et qu'on partageait d'ailleurs tout près d'ici, dans le Vieux-Lille, et c'était très 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 fort, oui. Je vais partir. C'est ça, vas-y. Mais tu crois que t'as rien à te reprocher ? Passionnée et violente, l'histoire d'Isa et de Marie nous renvoie aux réalités d'une jeunesse confrontée à une société en crise. Une société où chacun tente de trouver sa place. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre les prévisions météo de la semaine avec Fabienne Amiac, soirée policière sur notre chaîne, avec d'abord la série...